Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ce soir, je suis là pour parler du football, là, plus précisément de la CAN, de la finale de la CAN, qui va se dérouler bientôt. La CAN tire à sa fin et qu'il y a eu beaucoup de moments, de belles choses qui se sont déroulées, des choses négatives. Les choses négatives que je vais parler ce soir, je suis en train de parler du racisme et de la haine dans notre football en Afrique. Pour cela, je vais finir l'introduction avec une chanson de Max Boublil. Musique. Il faut arrêter de dire que les noirs sentent mauvais. C'est juste une odeur différente de toi et moi. Il faut arrêter de dire que les juifs n'aiment que l'argent. Ils aiment aussi la carte bleue et la visa. Il faut arrêter de dire que les arabes sont des voleurs. Parfois ils ne font qu'emprunter et le rendre au commissariat. Il faut arrêter avec toutes ces idées-là. Parce qu'aujourd'hui on est tous ensemble dans le même combat. Et ce soir. Ok, merci, merci, merci Marc Bobel, merci Marc Bobel. C'est une très belle chanson. Ok, comme je l'ai dit dans mon introduction, je suis là pour parler de la finale de la CAN avec le racisme et la haine qui prévoit dans notre compétition ici autour pendant la CAN. Ok, c'est quelque chose qu'on doit dénoncer qui n'est pas très bon. Donc, pour le moment, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que tout d'abord, je vous ai parlé du football et comment le racisme peut jouer un rôle vital dans la vie de tous les gens dans le cadre du football. Ok, nous savons que notre finale, la CAN, va se dérouler entre le Sénégal et l'Algérie. Ben, si d'autres pensent que les Algériens sont des Arabes, les Sénégalais sont là-bas, bon, moi je pense que nous sommes tous la même chose. Il y a des musulmans au Sénégal comme il y a des musulmans en Algérie. Nous sommes tous des frères africains. C'est le continent africain qui joue. Donc, on sait que le football est un grand sport dans le monde entier puisqu'il y a 208 associations affiliées à la FIFA. Donc, ce qui veut dire que c'est un très grand sport qui domine pratiquement le monde. Et qu'on sait que le football, c'est le plus grand ethnique. Car il y a beaucoup de gens qui jouent le football dans beaucoup de pays le jouent, on sait ça. Donc on sait que le football aussi c'est un facteur de migratoire, parce que beaucoup de gens voyagent, vont dans tel pays pour aller jouer, tout ça là, ce qui amène, c'est une immigration qui est là, donc ça amène un brassage, un métissage. Donc ce métissage c'est ce qui fait que la beauté du football et du monde entier, que nous savons. Donc, pour moi, le monde est parfait, mais en réalité, il y a la discrimination et le racisme qui est là. Sinon, le monde est parfait et cela existe encore. Donc, malheureusement, le racisme dans le football existe sur et hors du terrain, que nous savons tous. Et ce qui n'est pas bon, c'est ce que je suis en train de parler pour que nous, on évite ça pendant notre CAN. On a eu des gens qui ont déjà parlé de ça. Tu es blanc, tu es noir, tu es arabe. Bon, je veux qu'on arrête ça. C'est pourquoi je fais cette vidéo pour ça, pour dénoncer ça. Nous sommes tous la même chose. Tu vois. On sait que le problème du racisme a causé beaucoup de problèmes dans le football pendant des années. Que nous savons tous. Ou bien dans les stades. On a assisté à beaucoup. Ça se manifeste de différentes manières. On a vu des cris, des chansons, des jets de bananes, des pancartes diffamatoires. On a vu beaucoup de choses. Les traditionnels crient, tu vois, et qu'on jette tout, spécialement sur nos joueurs, les joueurs africains, les joueurs métis, ils sont vraiment victimes de ça en Europe. Mais, et que la FIFA est en train de se battre pour arrêter ça. Mais si les Européens font ça, et que nous-mêmes, en Afrique, pendant notre compétition, nous, on est en train de faire de la discrimination, du racisme. Est-ce que nous, on peut dire quelque chose à ces blancs-là?
Donc, nous devons être sages, donner l'exemple et supporter nos frères et montrer au monde entier que nous, c'est un continent de paix, de l'unité que nous sommes. Nous devons montrer l'exemple et qu'on veut que la CAN soit une des fêtes les plus belles du football, spécialement en 2019, et que ça serve d'exemple dans le futur. C'est ce que nous voulons. Bon, donc nous ne voulons pas des choses comme ça. Nous ne voulons pas voir des choses comme ça ici en Afrique. Ok? Voilà. Donc c'est pas parce que on peut pas diviser l'humanité, peut pas diviser l'humanité, spécialement déjà par rapport à une personne. Qu'on a dit qu'une personne est supérieure à une autre personne, ou bien une couleur est supérieure à une autre couleur. Non, il n'y a pas de division. Tu vois, la seule caste dans le monde que moi je connais et que moi je préfère, c'est l'humanité. L'humanité, c'est la seule race. Nous sommes tous humains. Voilà, ça, c'est ce que moi je comprends. Donc, pour moi, que on soit blanc, noir, rose, marron, rouge, on est tous des humains et on a le même sang, la même couleur du sang qui sort. C'est le rouge qui sort partout. Que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois marron, que tu sois jaune, que tu sois bleu. Et si ta peau se coupe, c'est le sang rouge qui va sortir. Donc ça veut dire que nous sommes tous même, nous sommes tous des humains. Ça, c'est la race humaine que Dieu a créée. Donc, nous sommes tous des fils de Dieu. C'est ce que moi je comprends. Donc personne ne doit être supérieur à une autre personne. Chacun a sa dignité. Et pour moi, on doit respecter la dignité d'autrui, la religion d'autrui, la personne d'autrui. C'est ce que moi je comprends. Donc pour moi, en Afrique, je ne voulais pas voir ça, ce genre de trucs-là, dans notre CAN. Et c'est pourquoi je lance un appel à tous les sportifs africains. On arrête ces trucs-là et que la CAN soit une belle CAN et que la finale soit une belle finale et que la meilleure équipe gagne. Et que nous, Africains, donnons-nous la main et que nous soyons unis et soudés. Et qu'il n'y a pas de division, qu'on est Sénégalais, qu'on est Algérien, on est tous Africains. Et ce n'est pas question de dire que lui, il est musulman, lui, il est chrétien, non, on est tous fils de Dieu. Donc c'est le football qui est là. Et c'est le football qui doit gagner. L'union doit gagner. Et nous sommes tous un. Ok? C'est pourquoi j'ai lancé cet appel-là pour qu'on arrête ça. Okay? Donc, un Algérien au Sénégal, un Sénégalais en Algérie, c'est l'Afrique. Donc, ça, c'était mon appel, qu'on arrête la haine, la discrimination, ce truc-là entre nous. Que nous soyons et que nous supportons nos équipes et que la meilleure équipe gagne et que la fête soit belle et que nous assistons à un bon match. C'est ce que je veux. Donc ça, c'était mon appel. Pour finir, je vais mettre de la musique pour clôturer mon allocution. Okay. Merci, 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 merci beaucoup. Donc, j'espère que la fête sera belle et j'espère que l'union sera là et qu'on va supporter le football et on va éviter, arrêter le racisme et la haine entre nous. Ça, c'était mon souhait. Donc, c'est mon appel que j'ai lancé à tous les sportifs africains, et spécialement à la CAN. Supportons et prions que la CAN, la finale soit belle et qu'une belle finale, que la meilleure équipe gagne. Ça, c'était le souhait. Et que c'est ce que je vois et que j'espère que l'Afrique va gagner. C'est toute l'Afrique qui va gagner. Ok, merci bien et bonne soirée. Je vous aime et je salue tout le monde en Afrique là-bas. Bye bye. C'était Seydine Defila. I love you all. Bye.